Ladies and gentlemen, welcome to this high-level panel entitled Inclusive and Peaceful Societies, organized by the European External Action Service. My name is Bénédicte Pavio. I'll be speaking in two languages during this session, which is not too difficult for somebody who's half French, half British. So I'll be speaking in French and in English, and I will do my best to give you time to switch. We have simultaneous interpretation. So I'll have the pleasure of moderating this 1.5-hour session. Before we start, can I ask you to switch off any mobile phones? If you have to, please leave them on silent. If you'd like to tweet, you can do so about this session, and it's hashtag in capitals E for Edward, D for David, D for David, 16. That's hashtag EDD16. So we're going to explore the experiences and ideas of our guest speakers and also, importantly, the results that they have obtained. Now, our world can and must do better urgently. What am I talking about? Well, around half of the world's poorest people currently live in conflict-affected areas and fragile states. So in less than 10 years' time, it's estimated that this figure could increase to more than 80%. I mean, that is an absolutely shocking figure. So without security to travel, of course, it's much more difficult for children to go to school, for people to access health facilities. Without respect, or indeed, and we will talk about it, for the rule of law, investors are likely to go elsewhere. So the drivers and root causes of conflict, we know, are poverty, inequality, ineffective solutions, institutions that do not serve their population at all. And so what we're going to look at is the 2030 Agenda for Sustainable Development, which highlights the need, actually, for a comprehensive approach to try and eradicate that poverty, eradicate those problems. So the panel is going to discuss those opportunities, those challenges also, to peace, to security, and to development, and the implementation of the SDG 16. So we're going to be talking about peace, we're going to be talking about inclusive societies for sustainable development, how to provide access to justice, uphold human rights, how to build effective, accountable, and inclusive institutions at all levels. So very quickly, I'm going to listen to each one and have a conversation with each one of the panelists. I'm going to listen to their experiences, the results that they've obtained, the challenges that lay ahead, and then we'll have a brief panel discussion. Then it will be over to you and your questions for a question and answer session, and then we'll wrap it up. So a lot to get through. So on stage, we have Federica Mogherini, the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy. She's also, importantly, Vice President of the European Commission. She is our host tonight. We then have, next to her, Faustin Archange Touadéra, who is President of the Central African Republic. Bonsoir. And on the other side of Madame Mogherini, Signora Mogherini, we have Roch Marc Kabouret, the President of Burkina Faso. Thank you. Bonsoir. Then nearest to me, we have Thijs Berman, who is Head of Election Observation Missions for the European Centre for Electoral Support. He's also been an MEP. We'll get into that later. And last, but certainly not least, are you 22 or are you 23? 23. Careful, you get pushing up the daisies soon. Anyway, you are one of the chosen few. You're one of 16 young leaders here at the EDDs. If you haven't spoken to this gentleman before, I recommend that you check him out later. And he's one of 16 people who have been chosen for the work that they are doing to help development, to help find peaceful solutions, inclusive and peaceful societies. So that's quite enough from me. Let's go to Federica Mogherini. And I'd very much like to, you have been
traveling, it's quite impressive. You've been to Niger, Ethiopia. You have been to Chad, Mozambique, South Africa, Nigeria. You've been to Morocco twice, Algeria, Tunisia, at least three times, I gather, Egypt. A very impressive commitment on your part each time. So let's start with the untapped potential that is Africa and how the European Union can help Africa, is helping Africa. Well, first of all, bienvenue à tous et à toutes. C'est vraiment un plaisir pour moi de partager cette séance avec deux amis à mes côtés et des autres un peu plus loin, mais seulement physiquement, mais surtout avec deux histoires de l'Afrique qui marchent. Et je pense que c'est un bon exemple pour tout, nous tous, parce qu'on a la tendance à se concentrer sur les problèmes de l'Afrique. C'est vrai, il y en a. Mais il y a aussi des histoires qui nous disent que c'est possible d'investir dans des histoires de succès. Et c'est ce que l'Afrique et les gens de l'Afrique veulent voir. Non, je retourne à l'anglais. Because my French is not that strong. It's true, I traveled Africa intensively in this year and a half in office. I think you missed only one country. That was my first visit to Africa, and that was still in the region of Sahel. Niger. And I wanted to start with a visit in Niger, not only in the capital city, but I went to Agadez to meet the local communities, to meet the women, to meet the youth, to meet the mayor and the local council, and to see with my own eyes and to hear with my ears what we can do to help each other together in managing the challenges we have in front of us. Because I was exchanging this just now with the president. The borders of Europe have moved, and now the real frontier for Europe south is Sahel and Africa. It is not the Mediterranean anymore. The Mediterranean is a common space. I always say, maybe because my nationality makes it natural for me to consider it that way, but the Mediterranean is not a frontier, it's not a border for Europe, it's our region. Europe is Mediterranean. The real frontier is south of North Africa, is the Sahel and the doors to Africa. And indeed, if you look at the main challenges of today, being that security, being that countering criminal organizations and people smuggling, being it fighting terrorism, being it fighting or preventing radicalization of our youth, being it climate change, being it economic and social development, being it gender empowerment, being this the education of our youth, and you can continue for hours, which is something I would not do. All these issues require a partnership between Europe and Africa, and a way of working together, identifying together the fields where we have something to gain on all sides. I think this is the European approach. Our founding fathers and mothers were wise enough to understand that Europe could become a continent of success and prosperity and peace after centuries of having exported war, when we started to identify common ground for a mutual benefit approach. So, we spent still some decades not liking it too much, each other, but still finding ways of cooperating with each other. And this turned Europe from the continent of war to the continent of prosperity and peace. And this has, or should tell us, that the way of living peaceful and successful lives and in societies that are peaceful and successful enough is this approach to the common ground. What is the field, what is the project, what is the concrete activity that we can do and build together so that your people and my people can both have something good coming out of that.
Which brings me to the spirit and the, also the indication, the clear, precise indication of the SDGs, which is this is not charity, this is not good feelings. This is the only way in which we can live better. Because there is no way in which we can live well if there is instability, insecurity, war, also because this means lack of economic opportunities, development. And everything is linked. Europe these days is quite obsessed with migration flows. If you look at the SDGs, that's all in it. Do that, you would solve it. But my constant message is this. Migration is not a challenge for Europe. Migration is a global phenomenon that concerns Africa, but also Asia and also Latin America, and also Europe itself, because we have been emigrating all over the world in the past, and we're still doing that partially. We don't call it emigration anymore, but that's the case still. When you have a global phenomenon like this, or like others, the only way of facing it and managing it is building partnerships. So that is the European approach. And this is why the European Union is so much working in partnership with our friends in Africa, but not only in Africa, on these different levels. Economic opportunities, not only with development aid funds, but also with private investments. I said this morning, we're trying to work with the European Investment Bank, financial institutions, private sector, matching our development aid, which is the asset of the European Union worldwide. We're the first donor worldwide, but we are also, normally, if you take the Europeans together, first donor, yes, but the first investor, the first trade partner, the first promoter of democracy, rule of law, human rights, open societies, societies that are resilient. This is the second field we're working on. So economic opportunities, social opportunities, because a society and a state is resilient only when their citizens find their place in their society and the society is open and respectful of their citizens. This is why we're supporting so much democracy and rule of law, especially in Africa. And then there is the third part of it. There's also a fourth part of it. The fourth part of it, I say it briefly, but I know how important it is for Africa and elsewhere, is the work on climate change, where Europe was really putting all its diplomatic weight on the agreement in Paris, because we know that this is linked to security and this is linked to economy. But the third pillar is the work on security, because we understand finally very well that there is no development without security, as well as there is no security without development. And we are tired of seeing wars and conflicts restarting after 10 years, after 5 years, because we have not invested in peace. And we have to invest in what happens after the war or the conflict in the acute phases finishes. If you look at the numbers, I think that 4 out of 10 conflicts restarts within the 10 years after it finishes, which means that we have to focus on the sustainability of peace. And this is a lesson that in Europe we have learned and that we are trying to share with our African, but not only African friends, investing on the security. Also because, and I stop here, this is also a way of investing in our own security, the only way of investing in our own security. And this is why we are working together in all different parts of Africa, supporting the African work for peace and security, and doing our part wherever we can, but always with a sense of respect and partnership, because I think there is one big lesson we have learned over the last couple of decades, that yes, we have our part of responsibilities that we have to exercise, but there is not one single problem of the world that we can solve alone. People on the ground, leaderships on the ground, know much better than we do what is the way for development, for peace, for security. What we can do is to support, not to substitute. To support, not to substitute. Thank you very much indeed. And in fact, you have two, as you said yourself, examples of this either side of you. I'm now going to switch advert to French. Vous êtes prévenus. Je vais donc parler en français.
Monsieur le Président, merci d'être avec nous ce soir. Faustin Archange Touadéra, je rappelle que vous êtes le nouveau président de la République centrafricaine. Vous avez été élu le 14 février dernier. Vous avez prêté serment, c'est donc tout récent, le 30 mars à Bangui. Vous vous êtes présenté à l'élection présidentielle en Centrafrique comme candidat indépendant et avez remporté l'élection, vainqueur avec une large avance et un score de près de 63%. Vous êtes le troisième président centrafricain démocratiquement élu. Vous avez démarré votre carrière politique en 2008 comme Premier ministre, chef du gouvernement, poste que vous avez occupé jusqu'en janvier 2013. Alors, si on veut parler chiffres, il faut que je fasse très attention, car vous avez manifesté très tôt des facilités en mathématiques. Après être passé par les universités de Bangui, ça ne vous a pas suffi, Monsieur le Président. Vous êtes allé à Abidjan, à Lille et à Yaoundé, et ainsi vous avez obtenu un doctorat d'État en mathématiques pures. Donc en matière de budget, là, je crois qu'on est servi. Alors, je crois que ma première question sera très simple, surtout par rapport à ce que Mme Mogherini vient de nous dire. Vous venez d'être élue, il y avait juste derrière vous une énorme crise. Les défis auxquels vous êtes confrontés doivent être énormes. Et dans ces défis qui sont auxquels vous devez faire face, ce soutien de l'Union européenne est précieux. Ah, merci, merci beaucoup pour votre question. Vous l'avez si bien rappelé. Les trois dernières années, la République centrafricaine a traversé une crise très profonde. De mémoire de Centrafricains, nous n'avons jamais connu une période aussi difficile, beaucoup d'atrocités. Mais grâce à l'implication notamment de l'Union européenne, de la communauté internationale qui sont arrivés aussi avec des contingents qui ont permis de rétablir la paix. Pardon, et Monsieur le Président, quand vous dites contingent, on est bien d'accord, vous parlez... Parler de la mission, disons, des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, des forces françaises aussi sangaris qui sont venues très rapidement au chevet de la République centrafricaine. Et ça a permis de rétablir un peu donc, la paix. Et la paix, justement, ça a permis d'organiser les élections, des élections que vous avez rappelées, que j'ai dû donc été élu à 63% par mes concitoyens. Et évidemment, c'est un défi parce que cette dernière crise a sapé vraiment les bases de l'État. La division était claire. On était au bord d'une scission et aussi les communautés étaient divisées. Une crise qui était au départ, disons, pour des problèmes de développement et autres, a été instrumentalisée et pouvait même être devenue une crise religieuse. Ce qu'il n'était pas. C'est exactement ce que décrivait Mme Mogherini. C'est ce lien direct que souvent, je crois, en Europe, nous oublions entre le développement et l'insécurité. Et votre expression est très intéressante, si je puis me permettre, quand vous dites au chevet. Merci de votre franchise. C'est la vérité, parce qu'en fait, le fond du problème en République centrafricaine, c'est la pauvreté. Et au-delà, ça crée le lit de toutes les crises que nous avons connues. Et cette dernière crise, vraiment, elle était très profonde. Et aujourd'hui, nous héritons d'une situation grave où il y a encore des groupes armés qui sont partout dans le pays. Et nous avons, pour procéder justement, pour répondre aux besoins de la population, qui, à travers les élections, ont montré leur volonté de pouvoir tourner le dos à cette situation difficile du pays, ont voulu que nous sortions de cette crise. Alors, pour cela, nous devions aller directement au désarmement. C'est le principal, actuellement, l'objectif numéro un. Notre priorité, c'est de pouvoir désarmer ces groupes armés si nous voulons aller au développement. Y a-t-il un processus de réconciliation aussi ? Ce désarmement ne peut pas aller sans la réconciliation. C'est presque nous avons un trépied. Il y a le désarmement. Il faut qu'il y ait la réconciliation.
et aussi le renforcement de la sécurité à travers la réforme du secteur sécurité. Et ce sur quoi nous projetons donc nos actions en ce moment, qui fait la priorité de nos premières actions. Bien sûr, nous allons nous attaquer aux problèmes de développement, mais le développement, pour nous aujourd'hui, la porte d'entrée, c'est la sécurité. Et cette sécurité passe d'abord par le désarmement des groupes armés. Et dès notre prise de fonction, nous avons rencontré pratiquement tous les responsables des groupes armés sur lesquels nous avons essayé d'expliquer notre processus pour qu'ils puissent s'intégrer dans ce dispositif qui va nous permettre justement d'aller vers la paix et la réconciliation. Qu'est-ce que vous leur offrez ? Qu'est-ce que vous pouvez leur offrir brièvement ? Évidemment, il y a des revendications politiques, c'est-à-dire des postes à occuper et des situations politiques. Donc, quelquefois, vous pouvez leur offrir des postes spécifiques dans l'administration, dans quoi ? Nous allons y arriver. Pour l'instant, vu que nous avons voté une constitution, et cette constitution, prévoit à très court terme, la dissolution des groupes armés. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas, dans le cadre actuel, offrir des postes, notamment de responsabilité. Cela reviendrait à consacrer des groupes armés qui est prohibé par la Constitution. Mais dans un processus de discussion politique, après le désarmement, nous nous engageons à entretenir des discussions avec ces groupes armés pour pouvoir les intégrer dans l'administration. Mais cela à la fin donc, d'un processus de désarmement. Merci pour votre clarté, votre précision. Je vais vous demander d'être bref parce qu'il y a quand même quelque chose que je veux évoquer très rapidement avec vous. Merci. C'est qu'il y a une crise humanitaire, chez vous aussi, où 2,7 millions de personnes, c'est-à-dire 60% de votre population, a besoin d'assistance internationale humanitaire. C'est beaucoup. Absolument, absolument, c'est ça le grand challenge. Aujourd'hui, avec cette crise, je peux compléter en disant que nous avons entre 450 000 et 600 000 Centrafricains qui se trouvent réfugiés dans les pays voisins et qui n'attendent, qui ne demandent qu'à retourner en Centrafrique pour participer aussi à l'œuvre de reconstruction nationale. Sur le plan interne, nous avons plus de 450 000 aussi de personnes déplacées qui ont dû fuir leur domicile pour se réfugier et se protéger. Donc il y a cette crise humanitaire. Nous avons effectivement été soutenus pendant ces périodes-là, mais l'aide qu'on avait demandée n'était pas suffisante pour pouvoir répondre à ces besoins. Nous l'avons exprimé tout dernièrement au sommet sur l'humanitaire. Et nous avons eu le soutien de l'Union européenne sur le volet humanitaire, d'autres partenaires aussi, les Nations unies, et qui ont aidé justement à diminuer, les besoins au niveau humanitaire. Mais cela est encore très insuffisant, étant entendu qu'au jour d'aujourd'hui, quand vous allez à l'aéroport de Bangui, vous allez voir que beaucoup de nos compatriotes de la capitale se sont réfugiés, à l'aéroport. Et que tout proche, il y a des problèmes d'insécurité, évidemment. Nous sommes en train de vouloir les relocaliser compte tenu du danger que ça comporte. Mais ça, on a besoin donc du soutien. Et nous avons ce matin échangé avec Mme Ogoyeni sur cette question-là et aussi avec le commissaire chargé de l'humanitaire de l'Union européenne qui s'est engagé à pouvoir nous appuyer fortement sur ces problématiques humanitaires. Là encore, merci pour la clarté de vos propos. Et c'est ça ce qui est extraordinaire dans ce genre de conférences. Je trouve, moi ça me donne quand même de l'espoir chaque fois, c'est que lors de ce genre de conférences, il y a des rencontres qui se font, pas seulement sur scène, mais et on apprend chacun son histoire, son parcours. Et dès qu'on met un visage, une voix et des échanges, et je vous encourage tous à parler d'ailleurs à la fin à quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré, c'est très très important, parce que c'est comme ça qu'on enlève cette espèce de mythe, c'est comme des bulles dans les dessins animés, vous savez, la bulle, elle continue comme ça. C'est très, très souvent, c'est des bulles qui nous séparent, pas des bulles qui nous rapprochent. Donc moi, je veux des bulles qui nous rapprochent.
Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour l'instant. Je passe d'un président à l'autre, une fois n'est pas coutume. Si vous me le permettez, Roch Marc-Christian Caboret, je vous appelle président Caboret ? Comme vous voulez. Alors, vous êtes depuis le 29 décembre 2015 seulement un autre nouveau président, le président de la République du Burkina Faso. Vous avez été membre du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, de Blaise Compaoré, un nom bien connu, non seulement dans votre pays et à travers l'Afrique, mais à travers le monde, jusqu'à ce que survienne la petite question de l'article 37 de la Constitution, qui interdit au président de se représenter en 2015. En 2012, vous avez quitté la direction du CDP, vous avez tenté de dissuader le président Compaoré de modifier cet article 37 de la Constitution, mais le jour de la fête de l'indépendance, le président de la République a annoncé lors d'une allocution qu'il allait modifier cet article 37, qui ferait l'objet, a-t-il dit, d'un référendum. Il a pris la même position lors d'une visite à Paris. Et donc, le 4 janvier 2014, vous avez démissionné du parti avec, corrigez-moi si j'ai tort, Simon Compaoré et Salif Diallo. Exact. Vous fondez le mouvement du peuple pour le progrès, le MPP, et en prenez la tête. Cette initiative vous permet d'éviter les remous politiques entraînés par la sortie forcée du président Compaoré. Et puis, les 30 et 31 octobre 2014, le peuple se soulève contre la modification de cet article 37 de la Constitution et chasse Blaise Compaoré du pouvoir. Quelle crise ! Mais en novembre 2015, vous gagnez l'élection présidentielle, plus de 53,49% des voix, et vous êtes ainsi élu président du Faso dès le premier tour. C'est un exploit. Alors, moi aussi, je voulais vous demander quels sont les défis pour votre pays. Vous avez une population qui a triplé, je vois, depuis les années 60, qui vous pose vraiment de sérieux problèmes quant à la distribution de la nourriture, même la redistribution des richesses. Vous avez trois exports principaux, l'or, le coton et le bétail, c'est ça ? Donc, quels sont les défis ? Ce sont des défis un peu différents de votre collègue, mais néanmoins de grands défis quand même, parce que ces trois choses, vous dépendez sur d'autres pays pour en fait les raffiner, c'est ça ? Pour les terminer ? Tout à fait. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour m'avoir invité à ce panel et dire que le Burkina Faso vient d'une insurrection populaire qui a commencé donc le 30 et 31 octobre. Et finalement, cette insurrection populaire s'est terminée par l'organisation d'une élection transparente qui m'a permis donc, grâce au peuple burkinabé, d'être élu président du Burkina Faso. Je voudrais simplement dire que, comme vous l'avez souligné, nous avons une population qui est nombreuse. Nous avons 3,6% de progression de population annuelle, ce qui signifie qu'aujourd'hui nous représentons à peu près 18 millions d'habitants au Burkina Faso. Et ceux qui travaillent dans les pays voisins comme la Côte d'Ivoire, Niger, Mali, et si nous voulons intégrer, il y a environ une dizaine de millions à l'extérieur. Donc nous constituons quand même une population assez importante, avec une diaspora aussi qui est extrêmement importante. Je voudrais simplement noter que le défi du Burkina Faso, c'est quasiment, je dirais, en Afrique, nous avons quasiment même les mêmes défis. Le premier défi pour nous, c'est de faire en sorte de pouvoir améliorer les conditions de vie du peuple burkinabé en réduisant les inégalités, en favorisant l'accès à l'école des jeunes filles, en faisant également en sorte que les piliers que sont l'agriculture et l'élevage dans notre pays soient des piliers qui soient consolidés. Et je voudrais surtout dire que au-delà de ces aspects-là, nous avons tout ce qui concerne les problèmes d'infrastructure, aussi bien routières, interconnexion à Internet, etc. etc. Donc, il y a des problèmes qui sont quand même des priorités. Et je voudrais également insister qu'au-delà des questions de développement que nous avons,
nous avons des problèmes sécuritaires. Dans la région. Dans la région, il y a le Mali, forcément, par exemple. C'est un des problèmes sécuritaires qui sont au Mali, mais qui nous concernent tous dans la sous-région, puisque, comme vous le savez, trois jours avant, après la mise en place du gouvernement, nous avons eu le premier attentat au Burkina Faso qui a coûté la vie à plus de 32 personnes. Alors, c'est pour dire que les questions sécuritaires sont importantes également pour nous, et c'est pourquoi, aussi bien au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'UOMOA, que du G5 Sahel, nous essayons de voir dans quelle mesure nous pouvons unir nos forces et également les renseignements que nous pouvons avoir pour faire face à ce défi qui est important. De toute façon, la lutte contre le terrorisme, nous ne pouvons pas le gagner tout seul. C'est une lutte mondiale et c'est pourquoi il est important que nous puissions nous serrer les coudes, je dirais, et nous insistons toujours auprès aussi bien de tous nos partenaires que de l'Union européenne pour qu'à ce niveau-là, nous puissions bénéficier de suffisamment de soutien pour non seulement faire face aux défis du développement, mais également faire face à la nécessité d'assurer la sécurité. Parce que sans sécurité, il n'y a pas d'investissement. Et comme je dis, l'action des terroristes dans notre sous-région, c'est d'empêcher justement le développement de l'économie. Et à ce moment-là, d'affaiblir et de disloquer, je dirais, l'économie de nos pays. Et cela est important à savoir. Et je crois qu'à ce niveau, toutes les discussions que nous menons, en tout cas, montrent bien qu'il y a une disponibilité à aider sur les deux fronts, parce que c'est important, aussi bien celui du développement que celui de la sécurité. Oui, ce lien donc très étroit. Votre pays a aussi des problèmes par rapport à la pluviométrie et aussi par rapport aux gens qui ont faim. C'est un problème récurrent. 3 millions de personnes n'ont pas assez à manger dans votre pays. Quelles sont les mesures que vous essayez de prendre pour essayer de changer la situation? Oui, tout à fait. Je dirais simplement qu'en Afrique, il y a tout un travail qui est fait pour non seulement améliorer les performances dans le domaine agricole. Nous sommes un pays sahélien, donc par définition, il n'y a pas beaucoup de pluviométrie. L'agriculture occupe et l'élevage occupe environ plus de 80% de nos populations. Et je voudrais dire que les efforts que nous devons faire, c'est d'une part de continuer à travailler à ce que nous puissions faire de la culture irriguée dans notre pays, parce que nous avons également des barrages et il faut évidemment travailler à l'aménagement de ces barrages-là. Et ce travail, nous avons déjà en tout cas commencé. Nous avons le barrage de Bagré, nous faisons du riz avec les Chinois donc, dans cette zone. Et nous avons notre barrage en construction à Bobo qui va servir également de base pour faire de l'agro-business, pour ceux qui veulent faire de l'agro-business. Et également, nous devons utiliser la science pour améliorer les semences, de manière à ce que les semences par région correspondent au cycle de pluie que nous avons. Il y a des cycles qui sont longs, il y en a qui font 45 jours de pluie. Il faut que nous utilisions donc la science pour permettre de faire en sorte que les semences puissent tenir compte de la pluviométrie dans chaque région. Donc c'est pour dire que c'est un volet auquel nous nous attaquons et nous considérons également qu'il faut changer la mentalité. Nous ne pouvons pas continuer à cultiver non plus avec des dababs, il y a de la charrue, il y a des tracteurs. Il faut avoir une culture qui permette d'avoir des champs plus importants et de pouvoir produire plus, aussi bien pour la consommation intérieure que pour l'exportation. Donc, on est également sur ce défi au plan agricole. Merci beaucoup, Président Kaboré. Alors, je vais passer. I'm going to switch to English now, again, to speak to the gentleman who's turning the other way. Oh. Hello. Thijs Berman. You are a former member of the European Parliament from 2004 to 2014. You have great professional experience in electoral processes. In 2009, you observed the presidential election in Afghanistan, 2010, the parliamentary election in Ethiopia, 2012, the presidential election in Senegal, 2014, the presidential election in Afghanistan. You're a great believer in protection of press freedom, the right to protect
sources because you have been a journalist. And you also, I believe, have some experience of actually observing the elections to the gentleman on your right in Carr. Is that right? Well, we thank you for all this. We did not really observe these elections with our small team of... You mind if I switch to French? Because no, I don't. Because oh, I'm we did this whole sorry. Process in French, you know, so it's so now better you want to switch speak in to French. This. Yes, please. Okay, everybody, can you switch? You don't mind, please? I hope they don't. Say mind. No. Okay. Oh, that's so kind. Très bien. Okay. Non, You've got away with it. Puisqu'on a fait tout ce processus en français dans Entendu. La République centrafricaine, je préfère le faire en français. Entendu. Merci. Que nous n'étions pas là en tant qu'observateurs. Un observateur reste en dehors de l'aquarium pour regarder comment les poissons bougent. Nous sommes là, dans l'aquarium, et on participe, on soutient les poissons à aller dans la direction qu'ils veulent. On était donc en soutien de l'Autorité nationale des élections, qui est l'institution en charge d'organiser les élections. Immense défi. Parce que non seulement les problèmes logistiques, les routes qui sont mauvaises, mais aussi des problèmes de formation des agents dans les bureaux de vote, d'énormes problèmes de planification, de coordination, dans un État qui, comme le président Touadéra l'a décrit justement, était à plat, était bon, dans un coma profond et qui en ressortait par un processus de transition soutenu par la communauté internationale et dont l'Union européenne était un des acteurs les plus importants, sinon le plus important, parce que l'Union européenne croit en la nécessité de revenir dans une RCA, dans une République centrafricaine, dans la paix et dans la stabilité. Et cela suppose des élections démocratiques et surtout inclusives, où tout le monde participe, où chaque citoyen a sa place. Et c'est cette inclusivité qui était le maître mot pour notre participation, notre soutien à l'ANE, à sauvegarder, à garantir que le processus inclut le maximum de citoyens centrafricains, y compris les déplacés, y compris les réfugiés qui étaient bon, loin de leur pays, dans une difficulté de voter. Évidemment, vous pouvez l'imaginer, ceux qui connaissent l'Afrique savent de quoi je parle. On a eu d'immenses problèmes organisationnels depuis juillet l'année dernière, et je pense que le président Touadéra le sait parfaitement. Quand Kristalina Georgieva, la commissaire du budget, était venue en visite il y a un mois environ, elle m'a demandé très brièvement, alors c'était comment ce processus ? Je lui ai répondu un peu à l'improviste, comme ça, « messy process, good outcome ». Donc un processus cafouilleux, mais un résultat très bon. Le résultat est assis à côté de moi. Parce que ce président, le président Touadéra, chose inespérée encore il y a 8 mois, a été élu, et bien élu, non seulement 63%, mais aussi un résultat incontestable et incontesté, c'est-à-dire honnêtement élu. Et ça, c'est quelque chose... J'ai vu beaucoup d'élections. Afghanistan, comme vous avez dit, Sénégal, et Kess, avec qui je travaille maintenant, met en place de façon flexible et à la demande des experts pour soutenir. Ça va de la société civile jusqu'aux médias, ça va de la préparation des élections jusqu'au soutien aux partis politiques et on fait des coalitions ad hoc avec les organisations avec lesquelles travaille ECAS. Alors, à quoi bon, attribuez-vous justement ce succès ? Finalement, à la volonté du peuple centrafricain qui a voulu s'inscrire à plus de 90% sur les listes des électeurs, qui s'est déplacé en masse pour s'inscrire, qui n'ont pas tous voté parce que peut-être ils avaient peur, peut-être. Mais quand un peuple se déplace dans une telle quantité pour s'inscrire sur les listes électorales, et pourquoi ils l'ont fait ? Je l'ai demandé, je suis ancien journaliste, on pose la question, pourquoi vous inscrivez ? Mais monsieur, nous voulons la paix, nous voulons en sortir de cette crise. Nous voulons que ça marche, que l'économie se remet en marche. Personne ne m'a dit, mais on peut s'en passer de ces élections. Il fallait un gouvernement légitime, accepté par tous, par le plus grand nombre,
qui peut, avec cette base-là, remettre le pays sur pied. Et c'est ça que vous allez faire, je l'espère fortement. Vous n'allez pas le faire sans le soutien de l'Union européenne. Je pense que c'est, peut-être c'est ça. C'est pas grave parce que c'est pas une option. Non, ils vont faire avec l'Union européenne. Non, mais ça, c'est, je crois, très important. Il ne faut pas désespérer les Centrafricains de leur propre réussite démocratique. Ah, mais je crois que Mme Mogherini a été très claire là-dessus. Non, mais c'est une chose et extrêmement importante. Et je pense que la République centrafricaine a donné une leçon de démocratie au monde entier en sortant d'une crise si profonde par la porte royale de la démocratie de cette façon honnête et intègre. Mais il faut donc aujourd'hui un soutien très appuyé pour que le gouvernement ait les moyens d'agir et de faire revenir les réfugiés et de faire réussir ce désarmement. Bon, heureusement, Federica Mogherini a donné des gages tout à l'heure et j'en suis extrêmement soulagé parce que petit à petit, on s'attache à un processus, on s'attache à un pays quand on travaille comme ça depuis un an. Je crois que c'est essentiel que l'Union européenne soit là, ait une stratégie pour les pays fragiles et le montre en RCA et évidemment aussi en Burkina, mais je ne connais pas bien le Burkina. C'est peut-être une invitation que vous lancez là. Je ne sais pas si vous vous invitez tout seul, mais peut-être que le président vous entendra. Qui sait ? Et exaucera votre souhait. Mais le fait est que c'est un risque d'organiser des élections dans un pays, justement, quand il y a une crise comme ça. Donc je voudrais que vous soyez spécifique, si vous le pouvez, puisque vous avez l'expérience de différents pays, que ce soit le Sénégal, l'Afghanistan, l'Éthiopie et aussi donc, la République centrafricaine. Qu'est-ce qui fait la différence ? Qu'est-ce qui a fait que le président, qui a eu cet espoir donc du peuple centrafricain, pourquoi est-ce que ça réussit là ? Bon, d'une part, le produit d'exportation le plus réussi de l'Europe, c'est la démocratie depuis 2-3 siècles. Et ça continue. Mais on ne peut pas dire que la démocratie reste un produit qui est exporté par l'Europe. Ce sont les Centrafricains eux-mêmes qui ont leur volonté de réussir leur démocratie. Donc ça, c'est la première chose qui est garant de succès. La deuxième chose, pourquoi le président Touadéra est dans le siège où il est, je pense que le pays a malheureusement connu 60 années de post-colonialisme français qui n'était pas, pour dire, une grande lutte contre l'inégalité ni une grande lutte contre la corruption. Et mon chauffeur Phileas me dit, vous savez pourquoi il sera élu ? C'est parce qu'il est honnête. On voulait un honnête homme. Et l'image de l'honnête homme a fait la différence. Non pas qu'on accuse tout le monde du contraire, mais cette image positive l'a emporté, ça c'est clair. Et je pense que l'intégrité du processus était aussi ce qui a animé l'autorité nationale des élections et ce qui a animé jusqu'au fin fond du pays les bureaux de vote et les agents du bureau de vote. On a vraiment fait un énorme effort d'intégrité du processus. Ok. Question très rapide, 60 secondes pour la réponse. Vous avez évoqué dans votre avant-dernière réponse le fait que c'était crucial d'être dans le pays et justement d'arriver à persuader les gens. Combien de temps est-ce que vos équipes arrivent dans le pays pour aider ce processus ? Ça dépend beaucoup des processus. Donnez-nous un ordre de grandeur. Projets. Là, nous sommes arrivés en juillet dernier, donc il y a presque un an. Ah oui. Et c'est un processus long, parce qu'il ne fallait non seulement aider, soutenir l'autorité nationale des élections, mais aussi faire en sorte que l'ANE fasse le dialogue avec la société civile, avec les communautés religieuses. Donc il y a tout un pan... C'est intéressant, parce que personnellement, je dois dire qu'ayant travaillé depuis plus de 25 ans pour divers organismes, mondiaux, je dois dire que je m'étais jamais posé la question. Donc c'est intéressant de savoir le travail en amont qui est fait. Je pense que l'ambassade de l'Union européenne, et l'ambassadeur est ici, donc je suis un peu timide là, mais Jean-Pierre Remondet qui se trouve là, avait analysé la situation de sortie de crise et le mot inclusivité était vraiment le maître mot de ce processus de retour à la stabilité et à la paix. A jugé que c'était nécessaire de soutenir le processus démocratique
pour aider à le pousser le plus dans cette direction de l'inclusivité possible. Et ce n'est pas donné parce que la classe politique centrafricaine, à mon humble avis, je ne veux pas insulter vos collègues politiques en RCA, mais s'intéressent beaucoup à leur propre avenir et il faut encore beaucoup de chemin pour que cette notion de l'inclusivité soit aussi vraiment le maître mot au Parlement. Il y a encore beaucoup de travail à faire et beaucoup de soutien à donner dans ce sens-là. Mais ça aide beaucoup si justement l'objectif est le bon, ça aide à avoir la bonne traduction. On va s'arrêter là parce que je ne veux pas oublier le jeune homme au bout qui s'appelle donc Marwan Bakit. I'm going to switch to English now. So, the European Development Days have invited young people, and this is absolutely crucial, from around the world to join the debate about development policy and international cooperation. So 16, as I was saying before, young leaders aged between 21 and 26 have been selected to share a panel like this one with world leaders to talk about their experiences, to present their ideas, to help shape the future of global development. So let's find out more about that. I have to say on a personal note, which I wouldn't normally allow myself, I think this is fantastic. I mean, we all complain so much about living in the 21st century, but I have to say we are the generation that are actually identifying the fact that, hey, how about including young people, you know, between 21 and 26 in things a bit like what's happening in the UK, you know, that are going to actually be crucial for their generations and help them be part of the process. So, Marwan, thank you for being here. You've spent, I gather, a week in Brussels, thanks to the European Commission. You've been meeting a lot of people from different countries, finding out about the EU institutions, finding out how it works. I should say that you're half Moroccan, half Libyan, is that right? Yeah. And you have been strengthening the capacity building of young people in a really interesting and crucial area that our world and a big challenge that it's not just in Africa, it's in Europe, it's in Asia, it's in America, and it's about peace building. You've been advocating for youth participation in peace processes, whether it's through community workshops, trainings on conflict transformation, working with young people to advocate against violent extremism, and to help educate young people about human rights and justice. So we'd very much like to hear from you. And really, I want to ask you, you know, what are the problems, actually, that young people face when they're working in peace building? Well, first of all, let me thank you to invite me. And if we look the past years, youth never have invited such as this panel to share their experience with the decision makers and the leaders of our world. So thank you. Well, I want to start with, although the young people are the majority of the population in many conflict zones and areas, there are who are vulnerable to extremist, violence extremists. And the numbers say that more than 60 million young people are living in their, under conflict zones. Again, 60 million people are living? Yes, about more than 60 million young people are living under civil wars and conflict zones. And between 4 to 6 of these young people are getting killed every day. Which is really huge and bad news. But the good side from these 60 million people, we have more than 500,000 people are working or engaging in peace building initiatives, which is we are between them, and we are proud of that. However, that there is a little recognition from the international community actually about the real or the major role that these young people are playing in terms of conflict transformation. And about the fostering the social cohesion in their respective community, although these young community leaders are fully aware about the challenges that deeply affect in their communities and youth-led organizations, especially that engaged in intercultural dialogue and conflict transformation, deserve
more recognized actually from the international community and to support, as they have a vital role they're playing in countering violence. So you're asking for more recognition of those young leaders to encourage them and support them? Yeah, actually I bring many recommendations from the young people who are really walking in the land and making the change, the real change in terms of conflict transformation. What we exactly doing actually in Libya, and I'm here giving an example in Libya, we're not here to talk about the situation in Libya or in Africa at all, but just to make this discussion more general, we're just giving an example what we are really doing in the land. And one of our initiatives, we are trying to bring some young people who have who are engaged in peace building initiatives, which is Group A, with some people who have extremist background or already engaged in some extremist groups such as ISIS, for example, and we're trying to exchange their mindset to be extremist from extremist to be peace builders, which is from Group P to Group A. And we doing like debates between them and trying to inspire them and to push them to be agents of peace. And we have many examples of young people who are changed from the negative to positive, and which is really really great change we are doing. I don't know if the governments or the local authorities can do that. So I just here give an example about what the real work that young people can do it, or the real change. But before that, we have to understand the reasons actually behind why these people are the reasons that pushing them to join to the extremist group. Of course, there's no one reason. There are many factors behind that, and start from disengagement and marginalization, despite the interconnected world we live in, leaves these young people are more vulnerable to recruitment, whatever they are. Some young people are joined to extremist group just to feel that they are they want strong ideologies. And so you're saying that it's a feeling that they want to belong? To be, like, to have a strong ideology, actually. A strong? Ideology. And also to feel part of something larger than themselves. Also, the immigrations that Ms. Mogherini mentioned is very, very, very important. The immigration is not about just give these young or these people food and the money in their hands and some documents that they are immigrations, for example, but it's about really to understand the needs that push them to join to be violent. Also about to make a good partners between the government and these young people and all the parties who are included in this issue. So what would be, if you had a 60-second message, okay, I'm the camera, you know, and in fact, hey, look, what is your main message? What is it that, and perhaps you've, I mean, you must have had some fascinating conversations with the 15 other young leaders. I've forgotten, but they're from Ethiopia, they're from the Philippines, they're from Pakistan. For once, I noticed, sorry for counting, but I'm not sorry for counting, there are actually more women this year in the young leaders than there are men. What is the main message, if you could do one thing to try and turn somebody around, give them a story of hope and of belonging, what would it be in your experience? I think, actually, such as this conferences or events, or humanitarian events at in general, is real opportunity where we can meet the stakeholders and the partners, and we can make the cooperation between us. But the problem is that what after this conferences, what after this so meetings, it's the follow-up. To follow up process, yeah. Actually, if we look and combine the numbers, huge numbers of the events, humanitarian events around the world, with the number of victims that we have every day, or the conflict or the civil wars, actually doesn't make sense.
And we really want, and this is our message, actually, it's not my message. We have to do what we are saying, actually. We have to create a common vision, a clear common vision, and to follow up the follow-up process that we all call for. This is actually the main message that the young people call for. Thank you, Marwan. That was, I think, very interesting, actually, all the different reactions, I think. So let's have some reactions. Est-ce qu'il y a, I'm going to switch to French, I hope that's all right. Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, je m'adresse à vous trois, que vous avez entendues, qui vous ont soit surprises, ont renforcé des choses que vous voyez dans vos propres pays, que ce soit, par exemple, par rapport à ce qu'a dit Thaïs et les élections, ou beaucoup ce qu'a dit Marwan, la jeunesse, l'extrémisme. Oui, pour réagir justement à cela, nous, à l'exemple de la République centrafricaine, nous avons que cette crise que nous avons traversée, les acteurs les plus nombreux, c'est la jeunesse. Et ce sont les jeunes. Et pourquoi ils sont les acteurs, les principaux acteurs? Parce qu'ils n'ont plus de lisibilité, plus d'espoir. C'est incroyable, ça, ce que vous dites. Ils n'ont plus de visibilité. Voilà. Donc, ils n'ont plus d'espoir parce qu'ils n'ont plus de visibilité. Donc, la pauvreté, il n'y a pas d'espoir. Oui. Donc, à ce moment-là, eh bien, ils écoutent les différents discours qui vont dans et ils s'engagent sur des choses dont ils n'ont pas la mesure. Mais je pense que le plus important, c'est de donner des ouvertures, d'espoir à ces jeunes, à travers l'éducation, à travers l'emploi, à travers beaucoup d'autres paramètres qui vont leur permettre justement de clarifier leur position quant à l'avenir. Si l'avenir n'est pas prometteur, s'ils ne se sentent pas intégrés dans une société, ils n'ont rien à perdre. Et ils prendront le fusil et ils écouteront n'importe quel discours. Je pense qu'aujourd'hui, si nous voulons aller vers le développement, c'est justement de leur donner l'espoir à travers une éducation qui leur permet de se replacer dans la société, à travers l'emploi, leur donner l'emploi. Un jeune qui a l'espoir de trouver du travail, qui a une vie, je pense qu'il écouterait moins ces genres de discours qui les engagent sur d'autres chemins. Voilà ce que je pourrais dire sur ce que venait de dire Monsieur Juan. Je vous remercie. Did you want to add something? Yes, but I switched to English. At least to keep the balance. I have to say that if you look at the demographic composition of the world today, in so many times in Europe or in the West, we refer to the youth as, you know, the future, the education, the perspectives, as if it was somehow a gift or a favor we do to the youth to give them some space or some role. But if you look at the composition of society in so many countries in the world, and in particular in the Arab world and in Egypt, Africa, that's the majority of the population. Yep. So it's not a matter of, you know, representing a minority or giving a space to someone. Not at all. It's simply, and I'm sorry if I'm a little bit blunt on this, it's simply that in so many cases, the representation of society, being it in politics, being it in business, being it in security, being it in media, being it in education, meaning academia, it's simply not mirroring the space that youth has in society. And that's actually true about women in politics. It's also, but yeah. I was always impressed, and some might have heard me say this story already. I would not mention the country, but I was exchanging informally views with a younger, very young, your age, in a country that has a large number of foreign fighters. A lot of people joining Daesh, and still a high number of educated young people. And I was saying, but what does it make it possible for people your age that, you know, maybe go to university and
join a project that doesn't, I mean, is a destroying ideology. And she told me, but you know what? My generation simply doesn't have a place in the organigram. We don't have a role. It's not only about education. It's not only about the money. It's about what is our place in the world? What is our place in society? And again, it is not about making them a favor. It's about making the society a favor. Because if the majority of the population is young, it is only natural and it is only useful if they have roles at all levels, in all fields. Again, it's easy, especially in Europe, to focus on politics. But look about media, look about universities, look about business. Come up. We need that. Yeah. Because otherwise, we try to understand what is happening in young people's minds without being young. It's much more difficult. You know much better than we do what is happening in that mind. So that is the only way of having a healthy participatory system in societies. It's true, this is also true for women, but I think that especially around the Mediterranean and in Europe, we have an issue of opening up for the younger generations opportunities to simply take their own responsibilities. Being part of the organigram, at the end of the day, means taking your responsibilities, taking your part of decision-making for yourself, for your family, if you manage to get to a point of having a family, and for society, for the rest of people. And I think this is only natural and normal and healthy. And that would prevent so much of radicalization, conflict, because it's true, there's many people, young people, that are victims of conflict. But these are also the people that are fighting the conflicts. And it's very funny to me, well, it's very sad to me, how we, in media especially, a young person immediately is not described as young person anymore when he fights or when she fights. It becomes a fighter. And maybe people the same age are not considered by our societies or by our system as someone that can take responsibility in other fields. Well, come in. Come in. That's the message I would pass to them. Because we always ask them what the message is to us. I think we also have a message to share with them. Take your responsibilities and share with the rest of the society your knowledge about life, because you have a lot. Thank you. I'm going to open it up to questions, actually. So I gathered there are two... Il y a deux hôtesses, je crois. I don't know if... I would imagine... Merci, vous parlez surtout français. So this gentleman, une hôtesse là, et pendant ce temps-là, le monsieur qui est là sera le prochain. So could you just stand up so everybody can see you, tell us very briefly who you are, which language you're speaking in, and a very specific question, please. Yes, thank you. My name is Sergei Ouattara. I'm the chairman of the EU-Africa Chamber of Commerce, based here in Brussels. And I will switch in French because my question is addressing heads of states on the stage. Alors, nous avons lancé en 2015 un programme que nous appelons Accès au financement, qui a pour but de mettre en relation des porteurs de projets, que ce soit du secteur privé ou public, avec des investisseurs qui se bousculent. Nous avons constaté deux choses. La première, c'est qu'au niveau de l'administration publique en Afrique, plus particulièrement des acteurs qui sont en charge de la promotion des investissements et qui tiennent en main les dossiers, donc les études de faisabilité, il y a un problème de performance. On a pris par exemple 3 ou 4 mois avant d'obtenir des études de faisabilité. Et évidemment, un investisseur qui donc, a du mal à obtenir rien que les études techniques et faisabilité sur ces projets-là peut se poser des questions sur le suivi au niveau des investissements. Donc la première question s'adresse justement au chef d'État. Je vous permets exceptionnellement une deuxième question, mais ce ne sera pas vrai pour les autres. Allez-y. Voilà, donc quel est justement les mécanismes qui peuvent être mis en place justement pour intéresser les membres de l'administration, les fonctionnaires, par exemple, à avoir une rémunération variable
sur des projets qui sont financés avec succès. Parce que manifestement, quand on se retrouve avec un fonctionnaire en face, il n'a pas forcément intérêt à ce que le projet soit financé. C'est un intérêt qui concerne le pays tout entier, mais individuellement, il est payé quelle que soit l'issue du projet. Donc, pourquoi ne pas peut-être envisager de rémunérer partiellement au succès? La deuxième chose, ce sont les banques locales. Nous avons plusieurs projets qui sont entrés et les porteurs de projets sont confrontés à des longs délais au niveau des institutions financières. Et les investisseurs qui se présentent n'acceptent pas les garanties fournies par les institutions publiques. Ils préfèrent des instruments financiers. Est-ce qu'il est possible justement que les gouvernements mettent en place des mécanismes de garantie qui s'appuient sur des instruments financiers qui, eux, peuvent être exécutés beaucoup plus rapidement en cas de problème, parce que c'est ce que les investisseurs étrangers demandent. Merci. Merci. Donc, Président Touadéra, vous voulez répondre? Merci pour la question. En ce qui concerne les garanties, vous savez qu'il y a un certain nombre d'instruments que nous, en tant qu'État, surtout des États pauvres, et où tout au moins nous qui sommes en programme avec le Fonds monétaire, nous ne pouvons pas manipuler n'importe quel instrument sur lequel nous ne pouvons pas contrôler la suite. Prenons par exemple des garanties souveraines pour lesquelles beaucoup d'investisseurs réclament la garantie souveraine. Parfois, ces garanties lèvent des fonds qui ne sont pas investis dans le pays et dont nous n'avons pas le contrôle. Et pour nous, ce n'est pas intéressant de pouvoir fournir ce genre d'instruments qui, par la suite, ne viennent pas servir le pays. Et ça sert d'autres intérêts que les pays. Et en même temps, ça nous met à porte-à-faux avec, disons, par exemple, les institutions de Bretton Woods, avec qui nous avons de très bonnes relations. Alors donc, ces instruments dont vous parlez, quelques-uns sont très utiles dans le cadre de certains nombres d'investissements, mais ce ne sont pas tous les instruments. Et je parle, par exemple, des garanties souveraines. Voilà. Et donc, Président Caboret, vous... Non, mais je voudrais peut-être réagir par rapport au premier point, parce que lorsqu'on dit qu'au niveau de l'État, il y a des investisseurs qui viennent et qu'il y a des études de dossiers qui sont faits par l'État, je suis quand même un peu surpris. Parce que pour nous, au niveau de l'État, nous créons le cadre institutionnel qui permet à l'investisseur de préparer son dossier, de le monter, d'avoir tous les éléments pour monter son dossier et le soumettre aux banques. Mais ce n'est pas l'État qui prépare des dossiers pour des investisseurs. En tout cas, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est pourquoi je voudrais dire que, de mon point de vue, il y a quand même une confusion à ce niveau, parce que le rôle de l'État, ce n'est pas de préparer des dossiers pour des gens. L'investisseur, en venant, il a repéré ses domaines. Il a besoin de statistiques et d'informations, il les prend, il fait son dossier, puis il va maintenant s'adresser aux banques pour demander le financement. Le second point concernant le secteur bancaire, je voudrais noter simplement que concernant les projets qui sont relatifs aux petites et moyennes entreprises, qui sont formulés par des jeunes ou des investisseurs, en tout cas qui relèvent des pays, je sais qu'au niveau de notre sous-région, au niveau de l'UOMOI, que ce soit la Banque Ouest-Africaine de Développement, il y a des lignes de crédit qui ont été mises en place pour la promotion des petites et moyennes entreprises, pour soutenir les jeunes dans des projets qui sont bancables, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir un projet. Il faut avoir un projet qui soit rentable, sur lequel on peut assurer le remboursement du crédit qu'on a pris, parce que ça aussi, c'est un acte d'importance qui permet de valoriser la jeunesse dans ses capacités, je dirais, à promouvoir l'auto-emploi et à promouvoir la création des sociétés. Quant aux instruments financiers, évidemment, mon collègue a parlé des garanties de souveraineté, mais je veux dire, concernant des dossiers, ça veut dire qu'il faut peut-être réfléchir à la mise en place, je dirais, de fonds de garantie qui permettent d'adosser, justement, ces garanties-là aux financements qui sont sollicités. Bon. Ça, il s'agit maintenant au niveau des États de voir comment ce fonds peut être constitué, aussi bien d'une part du budget de l'État que avec les partenaires du financement du développement donc, que nous connaissons. Monsieur le Président, merci. Voilà. Les deux présidents d'ailleurs. Yes,
ou je ne sais pas si vous parlez français ou anglais. Other hands up. Yes, moi, je parle français. Excellent. C'est pas gênant. C'est pas gênant. Merci. On vous écoute attentivement. Voilà. Une question très brève, on sera très heureux. Très ciblé. Je vais essayer d'être bref. N'essayez pas. Mon nom est Jean-Pierre Elombassi. Je suis le secrétaire général de l'Organisation panafricaine de collectivités locales qui s'appelle Cité et gouvernements locaux unis d'Afrique. Je suis avec beaucoup d'intérêt ce débat, en particulier la dimension paix nécessaire au développement. Et comme vous le savez, lorsqu'il n'y a pas la paix, les gens bougent. Les gens bougent d'une collectivité territoriale vers une autre collectivité territoriale. Et très souvent, les autorités locales sont en première ligne dans la gestion des conflits, des processus d'intégration dans les sociétés, parfois très difficiles. Et souvent, lorsque la paix semble revenir, et vous avez eu raison, Madame Mogherini, de dire tout à l'heure, quand il y a la paix, on s'aperçoit que 10 ans après, ben, on recommence. Donc, quelle est et votre pourquoi question je suis en train d'y arriver. Pourquoi on recommence? Parce qu'il y a un maillon extrêmement important qui a été souvent exclu quand on parle de paix, ce sont les autorités locales. Les autorités locales sont le maillon essentiel pour avoir une paix durable. Or, dans la plupart des processus de paix, je prends le cas du Nord Mali, par exemple, ce sont les maires qui sont restés quand il n'y avait plus d'État. Et quand on va maintenant négocier le retour à la paix, ils ne sont plus là. Je voudrais, Madame Mogherini et Monsieur le Président, que vous intégriez systématiquement les autorités locales dans tous les processus concourant à la paix. Je voudrais d'ailleurs appeler Monsieur le Président à convaincre vos collègues de l'Union africaine de faire en sorte que les collectivités territoriales, les collectivités locales, les autorités locales soient dans les processus d'alerte précoce sur les conflits. Merci. Monsieur, je vous remercie beaucoup pour la clarté et certainement la teneur de ce que vous venez de dire. Absolument. Et je vois que les présidents et Madame Mogherini ont attentivement, et Thaïs, ce n'est pas pour Hector Marouane, ont fait très attention à ce que vous avez dit. Donc merci pour ce maillon crucial que vous nous avez apporté. Madame Mogherini. Je voudrais vous remercier parce que vraiment vous avez touché sur un point extrêmement important. Pas seulement pour la suivi du processus de paix et de sécurité, mais aussi pour le processus même. C'est quelque chose qu'on est en train de faire, par exemple, en Libye, avec un soutien très fort de la part de l'Union européenne à l'implication des municipalités en Libye et des maires, en effet, avec des formes de coopération avec des maires européennes et des autorités locales en Europe, surtout à travers le soutien qu'on donne à ce type de projet de la part des comités des régions à niveau européen. En effet, si on regarde bien la dimension de la sécurité de la paix, pas seulement en Afrique, en Nord d'Afrique, au Moyen-Orient, mais un peu partout dans le monde, à deux points fondamentaux, le local et le régional. Tout est dans le territoire, dans des petites conditions de réconciliation qui sont difficiles à trouver parce qu'on se connaît, on s'est combattu et la vie quotidienne est difficile. Et la paix et la sécurité, soit on arrive à la construire au niveau local, soit ça n'existe pas, parce que ça ne tient pas. Et dans l'autre dimension, soit on arrive à faire la paix et la sécurité au niveau régional, prolongé à 5, c'est un cas extraordinairement clair, il n'y a pas de frontières dans cette région quand il s'agit de contrôler le territoire. Même par la nature du territoire. C'est pour ça que je suis heureuse de travailler avec le G5 Sahel. On va voir vendredi les ministres des G5 ici à Bruxelles pour la deuxième ministérielle avec l'Union européenne que j'ai eu le plaisir de lancer l'année dernière. Exactement pour voir comment on peut avoir une approche intégrée
régionalement à la sécurité et à la paix. Parce que, encore, la paix et la sécurité, soit on arrive à la construire au niveau régional, au-delà des frontières, soit on ne l'a pas. Alors, le niveau local et le niveau régional, pour nous, c'est fondamental. Partout, c'est l'expérience aussi européenne, mais surtout en Afrique, je dois dire. Alors, je voudrais vous remercier beaucoup. Je voudrais aussi remercier beaucoup les institutions qui, au niveau européen, nous permettent de... avoir des partenariats avec les autorités locales un peu partout dans le monde, mais surtout en Afrique. Merci. Merci. Une très rapide question. Allez-y, je crois qu'il marche. Ça va. Oui. Je me nomme Gamene Sugunoma Kizito, je suis burkinabé, et plus beau pays au monde. Je tiens déjà à féliciter nos deux présidents qui ont été démocratiquement élus. Au président centrafricain, je lui dis beaucoup de courage pour la paix et pour le travail qu'il fait dans son pays. Et moi, je tiens aussi à féliciter mon président qui, depuis, a mis un fonds de soutien à l'initiative Jeune au Burkina. Et moi-même, j'ai réussi à faire mon entreprise en une semaine avec moins de 50 euros comme budget. Et actuellement, nous avions les entreprises SARL qui sont passées à 5 000 francs comme capital. Et déjà, à partir de là, et ça aide les jeunes entrepreneurs comme nous autres qui n'avons pas assez de moyens mais qui veulent s'investir dans l'entrepreneuriat, de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Et à la suite de cela, moi, ma question, c'est à quand la création d'une Silicon Valley africaine ou même burkinabé? Et ma question s'adresse aux deux présidents, et plus précisément à mon président. Merci. Merci, monsieur, pour votre témoignage et pour votre excellente question. Messieurs, le défi, la question, la Silicon Valley. Voilà, je voudrais... Président Caboret. Oui, merci beaucoup. Je voudrais dire que, quelque part, il a raison. Dans la mesure où, comme vous le savez, les nouvelles techniques de l'information et de la communication sont devenues quelque chose quand même qui est d'important dans nos pays. Et si nous prenons déjà des exemples comme le Rwanda, on voit déjà le travail qui est fait sur ce plan et l'implication des jeunes justement dans le travail de l'identifiant unique, dans le travail également qui consiste à connecter l'ensemble du gouvernement et de permettre d'avoir des tableaux de bord qui permettent effectivement de suivre l'activité au quotidien, je dirais, de l'État. Je voudrais dire simplement que le Burkina Faso s'est engagé en tout cas dans un tel programme et que nous sommes d'abord à l'étude de faisabilité et que très bientôt, nous pensons qu'il faut exploiter les valeurs jeunes au niveau de ce domaine-là pour faire progresser un peu plus et améliorer, je dirais, le fonctionnement du gouvernement en général et améliorer la rentabilité du travail également de manière à ce que l'administration soit au service de l'usager et non le contraire, parce que nous avons beaucoup de retards, de délais qui sont importants pour rien également. Donc, je pense que c'est une bonne idée. Entendu. On est très pressé par le temps. Vous vouliez répondre à votre compatriote ? Merci beaucoup. Je pense que je voudrais d'abord réagir à l'autre préoccupation qui est aussi une préoccupation très, très, très importante pour nous. Et je crois que la gouvernance locale, c'est un des objectifs que nous voulions poursuivre dans le cadre de notre action future. Et ce qu'il disait est tout à fait pertinent. Même pour la réconciliation nationale, nous avons expérimenté cela en République centrafricaine à travers la concertation à la base qui a permis, qui a permis donc au forum de Bangui d'établir donc un certain nombre de recommandations pour le retour à la paix. Et ce sont justement les collectivités locales qui ont été invitées à promouvoir donc à développer ces discussions et nous avons eu donc les résultats importants et ce qu'il dit est tout à fait pertinent. En ce qui concerne la jeunesse ou le Silicon Valley, vous comprenez que c'est un objectif que nous poursuivons. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a des priorités, d'extrêmes priorités que nous avons. C'est déjà la paix. Il faudrait que nous, en République africaine, que nous fassions la paix, qui est la réconciliation. Évidemment, ça rentre dans les visions que nous avons pour notre jeunesse, pour justement qu'ils participent pleinement, intellectuellement, donc au développement
de leur pays. Voilà ce que je pourrais dire. Je vous remercie. Désolé, mais on va devoir terminer. On a commencé avec un tout petit peu de retard. Je vais faire l'inverse. I'm going to start with you, Maran, and I'm afraid I'm going to challenge all of you. But being media-savvy people and knowing how nasty we journalists are, here's the challenge. You've got 60 seconds to your one-minute cri du cœur, like that gentleman over there about local governance, either about something that has been said that you want to reinforce or something that you haven't had an opportunity to say that's either occurred to you. And your seconds start now, Marwan. You can do this. Yeah, just I want to start with some recommendations that I bring to me from some young leaders. The idea of expertise young male and female around the world, acknowledged as assists, they must be provided with opportunities and develop their skills and leadership and monitor their daily safety issues that and the community level. This prepare them to better engage and the key to be key as stakeholders. Also, the opportunities most created for young people and participation, ownership, and leadership in local, national, regional, and international decision-making process. This is ensure the young people to influence practices and policies affecting them and included issues of countering violence extremism. And we really call to create also safe spaces where we all can bring all our ideas and be agents of change. Also, don't forget, don't work for youth, work with youth, actually. And yesterday, Ms. Mogherini and Mr. President, you were one of the young leaders, and today you are one of the decision makers in our world. Tomorrow, me and other young people here will take the lead in our world. So just give us something great to looking for, and we promise to do our part and build a peaceful world. Thank you. Maran, thank you very much indeed. President Caboret. Je voudrais dire que... Vous pouvez rapprocher le micro un tout petit peu de votre bouche. Je sais pas, hein. Oui. C'est bien mieux là. Oui. C'est mieux. Oui, c'est mieux. D'accord. Je voudrais simplement dire que les défis dans nos pays qui sont les plus importants, parce que il y a une forte attente sur le développement dans nos pays. Et cette forte attente est impulsée par la jeunesse qui représente quand même environ 60% de la population. Cela signifie que si nous ne trouvons pas des solutions durables, aussi bien en termes d'emploi, en termes de participation aux questions politiques et aux affaires politiques, en termes de participation active dans les structures des organisations de la société civile qui permettent aux jeunes de s'épanouir et de s'intégrer dans la société, nous serons toujours en phase avec des perturbations qui sont de nature à déstabiliser, je dirais, la paix sociale. Donc je voudrais dire que ça, c'est un défi qui nous semble important. Je ne l'avais pas bien noté dans ma première intervention et je voudrais insister là-dessus que nous devons trouver toutes les solutions d'encadrement, les moyens de financement pour pouvoir aider ces jeunes également à être des autopromoteurs et à permettre de recruter également du monde. Un message fort. Merci beaucoup. Je vais passer au président. Oui, je remercie, je m'associe à ce que venait de dire donc le président Caboret. Mais en outre, pour nous, aujourd'hui, je reviens toujours à la situation que traverse mon pays, le développement, nous ne pouvons entrer véritablement dans le développement que par la paix et la sécurité pour lequel nous demandons donc le soutien. Et c'est ce sur quoi nous avons beaucoup échangé avec Madame Mogherini ce matin. Et nous avons plusieurs programmes qui, en urgence, qui nous permettraient justement d'aller vers la réconciliation, vers le désarmement et aussi la réforme du secteur sécurité qui nous projettera donc vers le chemin du développement. Et voilà donc c'est le sens du message que je voudrais lancer et en soutien aussi avec ce que venait de dire le président Caboret. Un message aussi d'espoir, mais aussi reconnaissant qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Thais, your final thought, 60 seconds. Famous last words. Yeah? Possibly. Le plus difficile après un conflit aussi profond dans un pays fragile comme la RCA,
c'est de vaincre soi-même, d'aller au-delà de son propre rejet de l'autre et d'accepter le retour de réfugiés, d'accepter d'ouvrir le dialogue et de refaire une cohésion nationale. Sans aucune prétention, l'Europe peut aider à ça. Nous avons nos propres clivages, nos propres rejets, et on le voit bien aujourd'hui. Donc sans aucune prétention, mais avec une grande expérience, l'Europe peut et doit aider les citoyens d'un pays comme la RCA, mais aussi en Burkina, où Ekès a organisé les élections d'ailleurs. Et je pense que c'est une responsabilité humaine, c'est un intérêt bien compris, c'est un intérêt mutuel, et c'est une ambition très haute. Encore une fois, dans toute modestie, parce que aux Pays-Bas, mon pays à moi, on a nos clivages, ou en France, ou en Belgique, on a tous nos clivages. Donc, mais avec cette modestie, justement, on peut aider dans une travail de démocratie profonde, non pas la démocratie formelle, justement, des élections seulement, mais une démocratie qui suppose la participation de tous les citoyens dans le respect. Point. Point. Entendu. Merci beaucoup. Alors, a few sound bites or thoughts that we've heard is the importance, I'm going to summarize this in English, the importance in order to keep and maintain peace, how important, and that was in a question actually, local authorities are. That's not just in Africa, that is a world problem. How important it is to give the space to young people, as Madame Mogherini was saying, in politics, in media, in education. You know, what is our place? We're not doing young people a favor, we're doing our own societies a favor. This will help, amongst other things, to prevent radicalization. I loved the expression that Madame Mogherini was using, saying about come in, but at the same time saying to Marwan and young people, take your responsibility. You know, you want to sit at the table, you want to be that future young leader, step up to the plate, as Americans would say. À propos du Burkina Faso, nous parlions de, sorry, I've switched to French without realizing. Sans sécurité, il n'y a pas d'investissement. Translators are going to hate me. I'm going to now speak in English. Without security, you can't have investment. Inclusivity, Tai was talking about that, how important it is to have democratic elections that get everybody in and to be inclusive. Oui, j'ai presque terminé. J'en ai pour 20 secondes encore. And importantly, borders have moved. The real frontier is not the Med, the Mediterranean, it's now the Sahel. And I will leave the almost last word to Madame Mogherini. I'll try to stick to my 60 seconds. Thank you. Development is definitely not just about money. And I think this is the headline of these days. It's about security. It's about empowering people. It's about rule of law and democracy. It's about changing policies at the end of the day. This would be my summary, not only of this session, but also of all the meetings we've had at the margins, all the talks, all the buzzwords we've heard around. And this also tells us one particular thing about Africa, that it is high time for us, in particular Europeans, to change dramatically our approach to Africa and moving from an aid approach to a partnership approach. It's a new century, it's a new Africa, it's also a new Europe, trying to keep it going. We have to, and our people realize that it's a different kind of world. So we need to build bridges that allow our people to simply work together in a new, completely different kind of spirit. That's it. Thank you so much. Federica Mogherini, Faustin Archange-Toi Dera, Roch-Marc Caboret, Thijs Berman, Marwan Berkit, thank you very much. And also thank you to you, despite the heat and the slight late. Please help me to thank our panelists here. Thank you.